Ok, d'accord. Peut-être essayer de se diriger vers ce coin-là déjà pour avoir moins de pression. Bon, j'imagine que tu fais par les signes. Je sais pas trop si j'ai compris, mais je fais ouais, ok, j'hoche la tête. Vous voyez qu'il y a Coralie qui vous regarde. Ok, je tapote Coralie et je lui dis, je montre Arnaud et je lui dis de suivre avec un petit mouvement comme ça, si elle comprend. Je lui dis qu'elle comprenne. Est-ce qu'elle est douée en linguistique? Oui, elle comprend, oui. Ok, du coup, ça y est, c'est dit. Mais bon, je vais essayer de faire pareil avec tout le monde pour Alors, vous faites fouiller. comment? Bah, on va aller dans un endroit où il y a moins de pression en fait. Où Oui, il sera moins alors chaud de ma dague. c'est pendant un court moment. Ok. Faut être. Bon, bah, faut être au taquet quoi en fait. Alors. Alors, pole position, tout le monde. Mode à vos marques, préparez. Dès qu'Arnaud part, tout le monde part. Ok. Non, vous voyez Miatou qui fait signe. Vu comment il a ce qu'il a vu et observé, lui il veut pas y aller. Il veut pas y aller vers le gros mixeur. Et je suis en armure lourde, en casque à fendre moi. Hein. Vous pouvez voir. Bah, si j'ai compris, je fais un petit pouce, comme ça, et dans ce cas, toi, reste ici. Reste ici. Comme ça. Alors, que faites-vous? Ok. Bah du coup, on essaie de capter quand c'est que ça arrive, en fait, le On problème de prend pression exact. pour. Vous voulez faire un nouveau jet d'init, peut-être? Ouais, on va Ou essayer, choisir écoute. l'ordre que vous voulez jouer? Moi, personnellement, j'irai après, après Après moi. Arnaud. Ouais. Donc, après Arnaud, on va déployer. Donc, il est à 6. Dis donc, ça, c'était l'initiative de fou. Ah ouais. Qui passe à Tellement. 5. Moi, Et je pense qu'il faut refaire les zéniths, hein, parce Mais que. non, mais non, c'est juste des chiffres. Donc. Skiers, Miato. Non, mais Alors, moi, de toute Arnaud, façon, faut que Skiers, je fais. Miato, il veut pas jouer tout de suite. Jouer, hein. Voilà. Et puis, bah, Coralie, elle passe derrière. Voilà, c'est parti. Arnaud, vas-y! Alors, du coup, c'est toujours les cases de déplacement pareilles qu'avant. C'est Ouais, tout à réduit de fait. moitié. Ok. Du coup, faut trouver déjà le bon Tac, moment, en fait. tac, tac. Tu comptes ça, c'est-à-dire qu'au moment où on se déplace, on a trouvé le bon moment ou pas, au fait? Vous pouvez en effet essayer, hein. Faut faire un. Ah, parce que là, si vous y allez comme ça, vous y allez comme des bourrins, là. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que je vais expliquer ça à Arnaud et finalement je le vois partir comme une brute. Bah ouais, tu le vois partir. Donc Arnaud, tu avances et tout. Tu sens que la pression est énorme. Tu t'approches d'une canalisation. Bah pour pas être emporté par les siphons, tu vas me faire un jet de natation ou un jet de force. Ah, natation, je pense, hein. On va faire la natation, ouais. Alors, heureusement que tu as ce bonus de fou, car tu te dis, voilà, là, t'as pas trop de trop de pression, hein, c'est juste le début. T'en as beaucoup moins qu'après, dans le deuxième tiers. Et bon, bah voilà, hein, t'as pas eu chaud, mais c'est dur. Hein. Donc tu te prends un des 6 points de dégâts. T'en prends un. Et ta combinaison, est-ce qu'elle est endommagée? Non. Ok. Bon bah du coup, tour, c'est au mien. Du coup, mon tour, bah écoute, je vais essayer de voir quand c'est que ça se calme. En fait, je vais retenir Non, pour aller où. c'est pas par Ah si. round, c'est à partir du Ah. moment où... Ah ok. Oh. Bon pour l'instant, j'attends juste que l'occasion se prépare. Je mets la main devant Coralie pour pas qu'elle se part tout de suite en même temps que Arnaud, en fait. Et moi je partirai au moment où ça se calmera en fait. Au moment où je vois l'opportunité. D'accord. Donc vous Tout voyez en. Arnaud, va être... bah ok, donc tu attends, donc pour l'instant c'est pas le cas. Donc il y a Coralie qui comprend qu'il faut attendre. Donc elle n'y va pas. Bientôt. Moi je vais essayer d'étudier, voir si on
longeant le mur par le bas de la salle, il y a moins de risques ou pas à passer. Tu peux te dire en effet que c'est possible que c'est possible que tu puisses t'agripper peut-être plus facilement par là. Je refais un jet de survie ou pas? Non, pas un jet de survie, tu te déplaces. Tu n'as pas besoin de jet de natation ou de force. Donc Arnaud, en t'approchant de du deuxième tiers, tu comprends que la puissance de ta natation était à peine suffisante pour réussir à avancer dans le deuxième tiers. Ok. T'as compris? Ouais, j'ai compris. Alors. Donc les débris, ils sont plus là. Hein. Hop. On revient donc sur Arnaud. Du coup, moi, je vais pas prendre de risque, je retourne. Je suis là comme ça. Vous voyez Arnaud revenir. Non, mais j'ai essayé de lui expliquer avec les signes que même moi, je vais pas m'en sortir là-bas. Alors, du coup, faites votre linguistique. C'est ça, c'est ce que j'allais faire. Ouais, grosse linguistique. Oh, le mec, mais il fait des 20, des 19. Il fallait jouer au loto, hein, il fallait pas venir jouer ici. Hein. Je vous laisse aussi près dans la bouche, les 20. Hein. Ah non, mais c'est pas possible. C'est pour ça que je fais des jeux de merde. Voilà, Skirt, c'est à toi. Du coup, je continue d'attendre le moment en fait. Hein. Donc tu attends. Là, tu penses que au prochain tour, tu pourras y aller. Très bien, bon. Alors, Mia. Bon, moi, je continue à me décaler sur le côté. Hein. Vous le voyez. Alors, lui, il a. Alors, tout à l'heure, c'était plutôt, on va dire, plutôt une chance sur 6 pour celle-là et une chance sur 8 pour lui si sa combinaison est percée. Par contre, comme tu normalement il y a la pression, donc tu prends quand même un des 6 points. Tu prends 5 points de vie. Oh, ouch. Oh, banane choco. Je mange cher. Oh, ça va pour l'instant. Alors, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, une petite banane choco. Ça, c'est du pseudonyme. On peut pas l'oublier, lui. Arnaud, donc t'es revenu. Je lui ai expliqué, je pense qu'il a compris. Oui, il comprend qu'en gros, il faut une natation de fou si vous voulez essayer de passer. Ok. Du coup, je vais attendre. J'ai essayé d'analyser la situation, en fait. De voir s'il n'y a pas d'essayer en fait de pas de trouver un endroit ou de trouver un moment où ça se calme en fait un petit peu. D'accord, donc t'es et là tu remarques que ça fait 3 rounds hein, quand même depuis tout à l'heure. Tu vas me faire un nouveau jet de vigueur pour éviter de paniquer et d'essayer d'évacuer l'eau qui rentre dans ta combinaison. Ok. Oh, la musique dramatique. Putain. Donc il est là. Tu peux revenir en arrière, il y a de l'air en arrière. Tu perds un tiers de ta vie. Ouais, j'allais dire qu'il y a de l'air derrière. Enfin, tu veux de l'air derrière, pire. Oui, non, mais c'est pas ça le problème. Oui, ok, ouais, c'est vrai. En 18 et 18... Donc t'es en mode panique. Et Coralie qui regarde le truc, machin, elle essaye, il faut trouver une solution safe. Elle essaye de vous faire comprendre que là, traverser comme des bourrins. C'est pas ça. Et puis tout à coup, elle regarde l'autre en train de faire. Moi, je suis les murs. Moi, je suis les murs. Je m'appelle Biato. Je ne prends absolument aucun risque. C'est ça. Ah
bah du coup. Alors, en parlant de ça, est-ce que je retrouve cette foutue. Alors, ils sont sous l'eau, hein, pour ceux qui arrivent. Ouais, sous l'océan. Ils sont sous l'eau. sous l'océan. Y a plein de turbines, des débris partout, ça va trancher. sous l'océan, on va se noyer. Ah ouais. Oui, c'est sûr, on est. Merde, voilà, il est motivé. Il est parti, là. Voilà, c'est ça. Bon, bah, je trouve pas mes combinaisons que vous avez montrées. Mes combinaisons. Pourquoi j'ai pas les combinaisons? Pour mettre un truc sous l'eau, ça aurait été plus cool hein, de vous mettre quand même les combinaisons que vous utilisez. Mais, eh bien non. Ben non, j'ai fait de la merde, je ne les retrouve pas. Bizarrement. Pourtant, bah, tant pis. Il n'y a pas de scaphandre. Vous verrez pas de scaphandre. Il me manque des images, j'ai l'impression. Au pire, tu prends l'image du Big Daddy. Oui, mais j'en avais mise, je vous les avais montrées dans mon début. Mais bon, c'est pas grave, c'est raté. C'est fait, c'est fait. On va pas perdre de temps. Donc, ils sont là en scaphandre et tout. Donc, lui, il est en Big Daddy avec sa scaphandre super lourde. Et Arnaud se sort pas bien alors que Skirt, ben, il s'est toujours pas lancé, hein, mais. Mais c'est... je vois que c'est possible maintenant. Voilà. Il me semble. Voilà. Alors, du coup, go, go, go. Et puis, vu que je vois bientôt passer par là, je vous dis que bon, s'il le fait, c'est que des bonnes raisons. Du coup, je vais essayer de le suivre. Hop là. Tac. Ok, donc t'es parti pour Miato. Hein. Voilà, pour le sud, mais en rechant en fait. Ça en profitant que le courant soit moins fort. Pendant ce bref moment, tu ne prends pas de débris, pas de possibilité de dégâts. Donc tu t'es déplacé que de ça, donc ok. Bah, c'est. Coralie c'est qui normal, regarde hein. Ce qui se passe. Bah, je fais un signe. Hein. Genre, vu que je l'obligeais de partir, deux, bon, je pars, je pense qu'il est bien. 4, 5, 6. Et elle essaye de s'accrocher à ce tuyau. Alors, Miyato. Moi, je vais jusqu'au tuyau. La vache. Je me suis déplacé une escalade. Oui, non, ça marchait. Oui. Juste elle avait plus d'avance que moi. Bah oui, je sais pas. Alors après, ouais, c'est vrai c'est que ça, j'ai pas fait d'entrée de fou, quoi. Alors, Arnaud. T'as analysé, t'as remarqué que t'as raté l'élément. Alors non, tu vas me faire un jet de survie ou d'intelligence, perception, etc. On va faire intelligence pure du coup. Alors intelligence pure, t'as combien donc t'as pas mal en intelligence. Tu remarques que le prochain moment où ça va se calmer, ce sera le tour numéro 5. Ok. Alors si moi je continue, alors. C'est pas. Ah oui, non, pardon, c'était à toi quand même. Donc ça c'était le tour d'avant. Excuse-moi, Skirs, c'est Arnaud. Ouais, ok. Ouais. Qu'est-ce du que coup, tu fais j'essaie de capter l'attention de Skirs et essayer de lui faire comprendre quand est-ce que ce sera la prochaine fois où ça va se calmer. D'accord, donc tu lui fais des gestes. Est-ce que Skirs se comprend? J'ai de linguistique. Ah non, t'avais fait un 20, donc je comprends. Pour moi, il faut pas. J'ai pas fait un 20, j'ai fait un 19. T'as fait j'ai un 19, mais t'as fait 20, donc tu comprends ce qu'il dit. Ok. Allez, donc après, c'est. Arnaud, tu te déplaces ou pas? Non, je reste là. Skirs. Enfin, non, attends, je vais peut-être aller récupérer de l'air à l'endroit où on était avant. Pour moi, c'est bon, hein, ta machine continue. Ça t'a juste fait paniquer Ok, de prendre donc le je truc, reste hein. Là, du coup. Je reste là, j'attends de voir ce qui se passe. Skirt. Bon bah, alors à mon tour, vu que moi j'ai. Tu prends un D6, t'en prends un. Oui, et non, mais j'ai pas fini, il prend tous les 20 et tous les 1 en dégâts. Tu te chances une chance sur 6 de dé de percer, mais non, c'est bon. Ok, alors du coup, 1, 2, 3, 4. Je peux passer par là ou pas? Oui, tu peux passer par là, oui. Ok, bon bah je me mets là, du coup, je m'accroche pareil. Alors il y a Coralie, elle regarde, elle voit ici là, le truc de fou. Alors elle était là, elle va faire 1. 2. Alors déjà elle se prend des 6 points. 4, est-ce que sa combinaison? Non. Elle s'accroche, mais bah non, elle veut pas passer en premier. La première, donc... Non, va me laisser passer en premier. Hop. Miato.
Est-ce que pour passer Skirs, c'est considéré comme un terrain difficile? Oui. Bah au pire, tu te... Ouais, non, mais je veux rester le long du mur, moi. Je veux pas Allez, allez, partir vers le allez. centre. Au pire, tu reportes ton initiative après moi. Alors, je suis désolé, hein, Je sais pas si tu veux. mon petit Christen. Tu joues toujours aux cartes. Oh oui, Ouais, et en plus, j'ai lancé Hearthstone, du coup, vraiment, donc... bah vas-y, vas-y, y a pas de problème là. Hein. Tu Donc, peux y je te aller. rassure, je joue aux cartes, Tu joues littéralement. aux cartes. Vas-y, je te souhaite bonne chance sur Donc... Hearthstone, parce que là, c'est vachement plus long que prévu. Donc moi, je viens juste jusque-là. T'aurais aussi pu reporter ton initiative pour jouer après moi, en fait. Ouais, Je mais te tu joues rassure, avant moi. j'enchaîne les brawls. Eh bien, vas-y, vas-y. Du coup, c'est Arnaud. Alors, hop, Arnaud, c'est le tour 5. Du coup, bah voilà, moi je reste là parce que je peux plus prendre de risques, j'en ai marre. Je continue de réanalyser du coup. Ok, tu réanalyses, donc tu vas me faire un jet d'intelligence. Eh ben non. Et J'analyse. avec 21, bah 21, tu analyses. Ouais. 21, C'était à c'est... combien? C'était à 20. Moi, je vois 8, moi, sur le jeu. Oui, 5 plus 3, 8, quoi. Et en gros, c'est 5 plus 16, parce que c'est un Ah, score ok, pur. tu prends intelligence. Bah oui, c'est un score pur. Du coup, ça suffit ou pas? Oui, t'es intelligent. Donc tu Ok. sais que c'est au tour 7 que le mécanisme va s'affaiblir. Skirt. Alors, Skiers, bon. Lui, il le sait, moi pas. Du coup, je vais encore me déplacer. 1, 3, 4, 5. Plaf, voilà, juste à la limite. Ça marche. Et attention, bam. Coralie s'accroche ici. Alors là, c'est Miato. Moi, je continue à me décaler par ici. Ça marche. Arnaud, tu continues à analyser, c'est ça? Ouais, j'analyse toujours. Ouais, tu connais déjà le prochain, tu peux analyser pour le. Celui d'après, du coup. C'est ça. Et du coup, toujours essayer de leur faire comprendre. Enfin, ils sont peut-être un peu loin, du coup. Vas-y, il faut que si tu fais en dessous de 4, tu rates. Si, moi? Non, Ah, ok. Arnaud. Je pensais que c'était nous, En dessous Frénétique. de 4 en quoi? Vas-y, jette ton jet d'intelligence. Intelligence, intelligence. Ok, hop, on va prendre. Bien, C'est t'as bon. réussi, donc tu sais que c'est le tour 9. Ok. Alors pour l'instant, les autres le savent pas, hein, parce que maintenant ils Ouais, sont mais trop je vais loin. essayer. Ouais, ils sont trop loin, donc je peux pas leur faire comprendre. Ok. Alors, Skirt. Alors, Skiers, bah, il va. Moi, bah, je vais y aller, écoute, hein. À un moment donné, faut y aller. Du coup, Alors, attends, déjà, oui. Quoi non, ce sera après. Si, je vais plutôt faire. Du coup, bah, moi je vais m'avancer. Alors bah là, il faut me faire un jet de natation, hein. Ok, j'ai une natation. Attends, je finis mon déplacement Non, non, ou. jet de natation là direct. Ok, direct. Je reviens en arrière, jet de natation. Swimming. Bah écoute, t'es emporté, hein. Ah Tu commences à t'aspirer par un des tuyaux, par un des siphons. Elle regarde, elle fait, on s'est pas encordé. ouais, non, mais là, si on sera encordé, il y a moyen que on serait tous que ça fera l'effet spaghetti, tu sais. Ça Ouais, bon, fait. après, c'est. Donc bah tu vois que tu es en train d'être aspiré et tu vas donc me faire un jet d'escalade pour t'agripper à quelque chose. Escalade, il faut que j'ai des trucs. Ouais, escalade, ça va à peu près. Alors, est-ce que en action d'opportunité, vous voulez agir Miato et bon, la Coraline qui Ben moi, je s'agrevait à vais. jouer S'il blessé, passe à quoi. proximité, je vais essayer de le choper. Il est trop loin. Il est trop loin, ouais, je suis trop loin. Il est trop Non, loin. parce que comme il aspirait, je sais pas s'il repasse près de moi ou pas. Bah, je sais pas, est-ce que tu as. Je te laisse aller 10 secondes pour te décider. Le problème, c'est que
comme c'est pas mon tour, je peux pas, à moins de faire un placement. C'est ce que je t'ai dit, c'est une action d'opportunité, je vais ajouter cette action-là pour justement faire en sorte que ce soit logique que vous pouvez agir. Voilà, mais si je me décalque d'une case, je sais pas si je serai à portée pour essayer de l'attraper. Comme je sais pas par où il part. Non, il sera trop loin. Je te le dis. Je vais essayer de détacher une des cordes que j'ai autour de moi pour lui lancer. Pour lui lancer, d'accord. Donc tu détaches une corde, donc d'une action tu essayes de lui envoyer une de tes cordes. Alors détacher, ouais, non, tu ne peux pas, parce que en fait il faudrait que tu prennes toute une action. Donc tu déroules en fait une de tes cordes pour qu'il essaye de s'agripper. C'est ça. Alors l'escalade, bah déjà l'escalade il a réussi, hein, donc c'est déjà bien. Il a une escalade de fou. Il s'agrippe sur le truc, par contre il va prendre 2d6 de dégâts. Et sa combinaison a une chance sur 2 d'être endommagée. C'était un ou un 2 qui allait faire 1-1-1. C'est fou quoi. Donc tu prends 4 points, donc je vais te les mettre, 27. Et Coralie qui voit le machin, bah, elle essaye d'aider, bah, Miato, en fait, elle voit bien qu'elle n'a pas besoin d'aider parce que le truc est tellement lourd que il ne bouge pas. Elle prend une corde et est en corde avec Miato. Ok. Miato, à toi. Donc tu as juste fait d'une action pour envoyer ta corde que tu avais juste enroulée. Ah non, tu avais attaché, c'est vrai. Oui, pour éviter qu'elle se traîne. On va dire que tu as utilisé une de tes actions. Une action de mouvement ou une action simple. D'accord, donc. Une action simple, on va dire. Comme je ne peux pas passer sur la case à Coralie, puisqu'il faudrait mes deux déplacements, je viens là. Ça marche. Alors, pendant que l'autre il est en train de faire Arnaud, qu'est-ce que tu fais? J'analyse toujours. T'analyses toujours. Bon, là je laisse tomber parce que potentiellement, si tu ne bouges pas, ça fait rien d'autre. Skertz, je suis accroché à la paroi là déjà. Non, t'es avec ta corde là. Ok. Si je suis avec la corde... Alors par contre, avec la corde, comme tu t'es accroché, là, vu que le jet que t'as fait, que lui, tu t'es accroché à lui, donc potentiellement, là tu remarques que le courant c'est vachement réduit. Donc tu sais que si là, le tour 7, tu vois que le courant c'est vachement réduit, et tu peux te déplacer, c'est-à-dire que tu n'es pas aspiré par un des siphons, parce que tu as réussi à t'agripper sur la corde de Miato. Donc tu t'es accroché, donc là en fait tu peux agir normalement, tu n'es pas pénalisé parce que tu vas bientôt mourir, tu n'as pas été aspiré. Là en fait tu as réussi à t'en sortir et donc tu peux faire un jet de natation pour te déplacer normalement ici. Normalement où ça? Là où tu es, là, ah, là où tu es, donc tu peux te déplacer normalement, mais c'est une natation de difficulté de 15. Bon, ok, bah, je vais déjà faire la natation. Pas ouf en plus. Ok. alors là, oh putain. Donc t'as fait, ouais, bon, je lâche la corde et j'accélère. Donc t'as lâché la corde, hein, c'est un peu con. Tu viens de refaire un jet d'escalade pour essayer de t'agripper avant de te faire broyer par un truc de ventilation. Donc tu es aspiré. Ah, je cumule les jets aujourd'hui, c'est... Je sais pas si j'ai de la chance dans mon malheur, en fait. C'est l'inverse. Alors, fais un jet d'escalade. Passé. Alors, 15. Je pense pas que ce soit assez... Si tu peux t'agripper, t'arrives à t'agripper avant de te faire broyer. À quoi c'est un petit truc, donc t'es dans le tuyau, vers le haut, qui t'a aspiré. Donc on va mettre un autre tuyau, allez, hop. On va dire qu'il est, il est juste là. Je pense qu'à la fin il n'y aura que moi qui passe en fait. Si je passe. Donc t'es là. Tu prends 2d6 de dégâts. Alors bien sûr, ça sera plutôt. 6 points. Laisse tomber quoi. Tu te prends 6 points de plus.
T'arrives à tenir. Alors, Coralie voit ça. Elle essaie d'y aller. Oula. Et elle y arrive. Parce que c'est 15 en natation. Et elle fait son déplacement pour aller jusque là. Non, elle va pas aller jusque là. Elle va aller jusque là-bas. Ah ouais. Et là, en fait, son D'accord. truc, c'est que... Elle arrive et elle s'approche. Ah, elle a peur de rien. Eh oui. Alors moi, là, je suis embêté. Parce que je sais pas comment je vais faire pour me déplacer vu que j'ai une Coralie attachée. Bah... Ou elle a lâché la corde. Non, 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 elle s'est attachée à toi. Donc, c'est t'as 3 cases. Hein, donc, tu peux te déplacer avec tes 4 cases. Je pense que tu peux y aller, quoi. Donc, si je vais là, c'est bon encore. Oh, bah oui, 3 cases. Donc, je me déplace ici. Donc, Et il bouge pas. si. Là, il doit me faire un jet de force. Pour tenir. Parce oh, que bah, là, ça devrait faire. Avec le... Avec l'armure et tout, oh, tu vois que t'entends que ça roule, il t'essaie de t'accrocher. Ah bah non, là c'est le truc calme. Mais tu comprends que bientôt, oula, avec 5, tu vois que ça secoue la machine et que bah, le poids du scaphandre te fait suer. Alors c'est vrai que ça te permet de rester un peu au sol, mais comme t'es pas loin d'un siphon, t'as intérêt à avoir de la force pour pouvoir tenir et traverser. D'accord. Donc on continue. Arnaud, il bouge pas. Arnaud, pardon, j'ai oublié. Il y a deux tours. Tu dois me refaire un jet de vigueur avec ta combinaison cassée. Mm-hmm. Allez, j'ai plus qu'à prier. Oui. Oh, ça va, les prières ont. Les prières ont été exaucées. Donc là, l'eau continue. Là, le truc. Tourbillonne, etc. Alors, eh bien, notre ami Skirs doit réussir un jet d'escalade pour sortir du tourbillon, s'accrocher. Alors, 15, tu restes dessus. Si tu fais 5 ou plus, si tu fais 20 ou plus, tu arrives à sortir du tourbillon, mais ah bah, tu n'y arrives pas. Arrivé. Donc, t'es là, tu te prends 2d6. Tu prends 8. Ah, ça commence à monter. Alors Coraline, elle s'accroche autant qu'elle peut, donc elle s'était mise hein, comme ça, et elle tient. Elle tient. Miyato. Ah bah là, moi je suis à... 1, 2, 3... Non, je vais... Alors là, tu dois me faire ton jet de force. Hein. D'accord. Alors bien sûr, toi, si tu es aspiré par le truc, ça risque d'être compliqué après. C'est ça. Oh la vache. Ça fait mal. Hein. Skiers nous a bouffé tous les bons jets. Ah bah oui, bah j'ai pas fait exprès. Excuse-moi. Tu vois que t'es en train de déstabiliser. Et tu es aspiré par une des. Donc tu dois me faire un jet d'escalade. Bien sûr, là je suis en train de voir un espèce de gros rocher me tomber sur la gueule. Il y en a 5 que je vous ai dit donc. Donc, tu t'accroches juste avant, mais tu remarques que t'as emporté Coralie. Et là, je suis en train de me dire, la vache, je pensais pas que ça allait être aussi long. Ah bon, il y a tellement de jeu à faire. Ah bah oui, tout à fait, mais c'est surtout que vous avez pas trop compris comment il fallait passer, mais c'est pas grave. Ouais, moi, je pensais raser le mur et m'accrocher au cas où ça... Bon. Arnaud, donc ouais. Arnaud, il passe, hein, Skirts. Ah oui, merde, j'ai oublié le... J'ai l'escalade. Le dé... non, t'es dé, Skirts. Ah, ta combinaison est percée. Tu retiens ta respiration. Du coup, j'imagine... Ami... Je refais un jet d'escalade, j'imagine. Je fais léger pour Miyato. Non, là c'était. Dans la zone. Pardon, je fais des jets. Ta combinaison est percée, Miyato. D'accord. Donc, Coralie remarque qu'il n'y a plus beaucoup de courant. Donc elle fait de la natation. Elle réussit. Et elle sprint carrément. Elle a utilisé une de.
sa dague pour couper le lien. Elle l'enlève pas. Et elle fonce. Donc okay. Pour moi, elle passe. Hein. Elle est à la frontière, mais elle passe. Mais j'ai pas, je crois que j'ai pas joué, non. Moi, non. Pardon, Whiskers. Ouais, à toi. Je dois refaire un jet d'escalade. Un autre jet d'escalade. Allez, ça vient passer un jour, quand même. Oh, mais je crois que j'ai tout cramé, en fait. Hein. J'ai tout cramé. Donc, tu descends encore d'un cran. Donc, tu vois les pales. Oh, putain. Passe au milieu, Matrix. Donc, moi, j'avance. Tu prends tes 2d6, quand même. Ah, je les prends, quand même. 11. Et j'ai oublié aussi les dégâts sur Miyato tout à l'heure. Parce qu'ils se font quand même. Tears, va-t-il finir découpé en rondelles? Alors, tu déprécies Miyato. Je pense que je souffrirai pas trop. Ok. Donc, avec l'armure, ouais, là, tu passes sans problème. Ah oui, non, tu étais en train d'être aspiré, pardon. Là. Tu dois me faire un jet de force pour réussir à te déplacer. Là, si je m'en sors, c'est du miracle quand même. Hein. Oh putain! 4 plus 17, 21. Ah non, si c'est bon. Heureusement que t'as une force de fou. Hein. On a tellement les extrêmes en termes de jet. T'étais là ou là? Là, il était là, je crois. Oui. J'étais là, que je me suis avancé de 4. Alors, donc Arnaud, il bouge pas, hein, il vous a abandonné. Hein. Nous continuer à analyser les. J'ai de vigueur. Encore? Ah oui, en plus, je l'ai carrément zappé pour Skirt, les jets de vigueur. Ah ouais, bah je le fais tout de suite, tu veux. Non. Ah bah non, bah, Arnaud, c'est fou. Ça y est, là, il s'est non, mais c'est pas possible. C'est à mon tour. Bon, rejet d'escalade. Ouais, là tu sens que c'est bientôt la fin. Non! T'arrives même à sortir du truc, quoi. Il fallait vraiment que ça te touche la queue pour pouvoir et sortir. Et là, j'ai le nage pour sortir ou pas? Tu prends 7 points. Tu les as notés tout à l'heure, les autres points, là? Ah, je crois non, pas. Non, je les ai pas notés, je pensais 7. Que tu le faisais. Je pensais que tu ah faisais. Non, ah bah d'accord, oui, bah alors, attends. Bah du coup en fait les derniers, il y a que le dernier que j'ai pas noté. Je crois que j'ai pris 8 le dernier ou un truc comme non, ça. Non, pas du tout, j'ai t'as pris 6, attends. Donc là en gros je vais mettre 13 et. Ok. Alors okay. Coralie, donc là il y a. Du coup j'ai pas d'action là? Ok. Oui là tu as réussi à t'attacher. Elle va se prendre donc un des 6 points, mais elle va foncer. 4, 5, 6. Oui, parce que là, ça commence à faire trop long. Et comme vous avez pris le PNJ, après un certain nombre de tours, bientôt. Alors ah non, là, moi, tu vas faire un jet de force. Ah oui. Et là, c'est comme la difficulté de tout à l'heure. Hein. Ça veut dire qu'il y a le grand courant. Oh là là. Oh 5. Donc ça fait 8 et 17. 17, 22, c'est pas suffisant. Oh, t'es encore remporté. Tu dois me refaire un jet d'escalade. Où est-ce tu te rattrapes. Alors par contre tu te prends tes 2d6, tu prends 8 points, je te les ajoute. D'accord, je vais les ajouter sinon. Hop. Mon Skirt, tu arrives au tour 11, donc c'est un tour où il n'y a plus de pression. Bah, je vais nager comme un ouf. Ouais, 15 hein, de difficulté. C'est ça. Normalement, sur un faire un G. Ouais. De force. Dire que normalement, allez-y, un 7, hein, avant que Coralie arrive. Oh, ça passe. Donc, écoute, tu peux te déplacer normalement. En fait, là, au moment où elle a décidé de finir le truc pour vous, ça y est, vous bougez votre cul, quoi. C'est ça. Bah, moi, je peux pas. Comment un PNJ qui fait notre truc à notre place? Non, c'est hors de question. De toute façon. Le but c'est que Coralie aille jusqu'à la fin, parce que c'est Coralie qui s'y connaît le mieux. Parce que si nous on arrive et que ah oh, bah c'est quoi, puis c'est comment ça marche et... T'appuies sur tous les boutons. Alors, donc Skirt, donc a joué Miyato. Non, Coralie d'abord. Oui, non, mais Coralie. Putain.
Elle a plus de combinaisons. Alors attends, par contre, j'exagère avec Coralie. Que des impairs. C'est dingue. Et je ne l'ai pas fait aussi tout à l'heure. Ouais, attends, normalement. Je fais quand même les trucs de tout à l'heure pour qu'on était dans la zone, je l'ai pas fait. Je devais pas faire un jet de vigueur d'ailleurs. Si toi tu dois faire un jet de vigueur à cause de l'apnée. Ouais. Donc je lui fais tous ses jets, et donc ouais, elle est en apnée elle aussi. Donc, Vigueur. Ok. Donc tu commences à suffoquer. C'est ça. Je perds un tiers, c'est ça? Ouais, tu prends un tiers de ta vie, oui. Alors je fais calcul. Quoique là non, parce que c'est pas les mêmes règles que d'apnée. Hein. C'est beaucoup plus sauvage. Là en fait c'était un tir parce qu'il paniquait. Là t'es en apnée donc. La moitié. Là tu non t'as raté ton jet donc tu es en train de perdre conscience en fait. Ah ok. Et tu vas potentiellement mourir d'acide. Ouais ok. T'es en train de perdre conscience. La différence c'est que t'as le droit à un jet de volonté. Pour essayer justement ben, de t'accrocher ou quelque chose comme ça. Alors, Miyato. Je suppose un jet de force. C'est ça. Moi, de mon côté, je fais mon jet de volonté là. C'est ça. Ok. Allez, donc là, en fait, potentiellement, t'es à 0 PV. 29. Okay. 29, c'est bon. Donc, j'avance. Est-ce que je peux passer à droite entre la paroi et le tube là? C'est pour toi, non? Toi, non. D'accord. Non, avec je ta grosse armure. Je passe par là et je m'accroche sur le. Je me tiens au. Bon, oh bah là, t'es dans le dernier secteur. Hein. Là, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de turbulence. Hein. C'est comme dans le premier. Oui, mais bon. Je me tiens quand même. Juste ne serait-ce que pour moi. Je vois juste Skirs qui est en train de se noyer. J'ai réussi mon jet de montée. Ouais, t'as réussi ton jet de montée. Donc t'es à zéro, tu sais que t'es en train de te noyer, donc tu pourras te déplacer après, quoi. Ok, bon. Mais tu es en train de te noyer. Tu vois que bon. Coralie, c'est pareil. Bon, bah... Mais Coralie, elle est à l'échelle, donc elle a plus qu'à remonter. C'est ça. Moi, je bouge pas. Donc toi, tu bouges pas, mais t'es au deuxième round, donc tu me fais un jet de vigueur. Allez, on va encore perdre un tiers de la vie, attention. Alors, Arnaud fait son truc, Kirtz. Ah bah, tout fast, hein. On s'est réussi. Tac. Donc Coralie est en train de monter. Voilà, normalement je crois que c'est bon. D'ailleurs, elle est où l'échelle, en fait, pour monter? Où est Coralie? Elle est là où Coralie est? Ah putain, je vais pas assez de déplacement. Donc Coralie, elle monte, mais tu vois que... elle en peut pratiquement plus et elle sort, mais elle rentre dans le complexe, mais elle est certainement, elle a beaucoup d'eau dans ses poumons, quoi. Ouais, mais elle va pouvoir couper l'eau, donc ça va être. Ouais, non, mais c'est non, mais elle est en train de perdre conscience là, en fait. Voilà, elle ça, est comme, elle est comme Snaker. Hein. Voilà, du coup, faut même de l'eau dans les poumons, elle va même mourir, je te rassure. Voilà, elle est en train, bah ça dépend si elle crache suffisamment ou pas, mais voilà, il y a des moyens. Ah bah, massage cardiaque. Hein. Bientôt. Mais pas moi. Ah non, Skirt. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, t'avais déjà joué toi? Oui. Oui, je viens de jouer. J'étais presque au déchet. 2, 3. Donc t'as une chance sur 8 que ton truc. Ah! Ta combinaison est percée! À ton tour! Donc. Tu faudras que tu fasses des jets de vigueur au prochain tour. T'es en train de se remplir, donc tu vois, blou. Ah ok, alors. Vous voyez donc le super visage poupin de Miyato qui dit que c'est bien un chat tout mouillé. Arnaud, bah tu continues toi, Skirtz. Monte à l'échelle. J'ai de vigueur. Non, j'ai de vigueur d'abord. Oui, c'est vrai. Autant pour moi. Allez, réussis-le. Réussis-le. Tu peux le faire. Do it. Tu arrives près de l'échelle et. T'es en train de t'étouffer, t'es en train de te noyer. Bon bah on va perdre Skirs, je crois. Ouais. Ah c'est dommage aussi près en plus. Ouais, genre le mec il est à Coralie, elle. Genre je suis sur l'échelle, c'est... 4, elle tombe inconsciente.
Oh merde. Mietto. Oh, la musique en plus va tellement bien avec le moment. Mietto, donc tu me fais jet de vigueur. Logiquement, ça passe, dis-moi, 14. Je vais prendre un petit gâteau, j'ai un peu faim. C'est bon ? Allez, alors, 15, oui, c'est réussi. Allez, fonce, bientôt ! Donc, je vais jusque-là. Je peux pas aller plus loin. Ah oui, c'est vrai, toi, tu galères. Alors, Coralie a perdu conscience, donc voilà, c'est bon, ça s'est fait. Moi, pas bougé. Skirts, dernier jet de vigueur avant de mourir. Ah, dernier jet. Allez. Allez, le jet de sauvegarde. Allez. Non, je peux pas laisser maintenant. Non, il y a trop de gens. Il y a trop de gens que je vais aider. C'est genre si ça se passe dans ma tête. C'est... Trop de gens que je vais aider. J'ai pas allez, fini. Allez, allez. Ah, mort, ah bah non. Oh merde, bon bah c'est fini. Ah le décès de Skirs quoi. Oh non. Bon bah tu confirmes. Donc Skirs est mort. Il est noyé. Attends, vas-y. Navré Sneaker. T'inquiète, c'est dommage. Non mais c'est beau tu vois, juste à la toute fin. À la toute fin. Genre il accrochait l'échelle. Et... Exactement, il est sur l'échelle et... son allez, cœur voilà. S'est arrêté de battre. Alors, pour ce genre de cas, oui, il y a une possibilité. C'est à faire un jet de premier secours de malade. Et j'ai mis ce truc-là, mais je ne l'ai pas encore noté dans le guide. Bah, disons que le truc, c'est que... je vais t'emporter. Repart sur le cœur, là. Je vais t'emporter. Oui, parce que là, t'es accroché pas... à l'échelle. Donc, potentiellement, en effet, tu peux être emporté, mais c'est pas encore fait. Mietto. Donc, 1, 2, donc j'arrive à l'échelle. J'ai vigueur. Direct. Ah bah ok. C'est pas tous les deux tout. Ah non, 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 ça c'est quand t'as juste le truc qui est cassé en deux. Bon, c'est ça bon. Va. Et je fais... Ah, je m'en fous. Donc, j'arrive à l'échelle, au premier déplacement. Ouais. Et deuxième, je commence à monter en chopant... Non, 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 c'est l'un ou l'autre. Ah, je peux pas commencer à monter en chopant Abandonne-le. Non, non, non. Alors, tu prends Skirts ou tu prends pas Skirts? Alors, j'ai... le truc, c'est que j'ai le choix. Soit je prends Skirts, et par contre, pour la monter à l'échelle, ça, je serai... ça sera plus dur ou pas? Ah bah oui. Attends, tu imagines, t'es là, t'as le scaphandre du truc de Bioshock. Il y a un truc qui est complètement nul à chier pour faire un truc comme ça, c'est bien cette armure. T'as plein d'avantages, t'as vu? Tu as pu passer tous les passages comme tu voulais. Mais là, si tu veux... C'est ce que Skirs aurait voulu, tu l'abandonnes. Ah, mais bon, bah, je commence à monter à l'échelle. Donc tu montes à l'échelle, t'abandonnes Skirs? Bah ouais, parce que... Vu que je ne vois plus bouger, que je vois juste une tête remplie d'eau, je pense que c'est un cas perdu et qu'il faut essayer. Au pire, je me dis que si je monte assez vite pour évacuer l'eau, même chose. Bah, écoute, tu remontes, alors, tu montes. Je pense que pas besoin de ramener la tête, elle va être broyée. Il y a des chances. Hein. On va faire donc le G. Hein. Mon petit Skirts. T'as une chance sur 3, donc 5-6, que ton corps se fasse emporter. Vas-y. Une chose sur trois, je jette mon dé. Et il va faire un super gros jet. Donc là. Je suis encore resté coincé en fait. Moi pas donc, bougé. Donc tu étais quand même juste hein, pour monter, tu as fait jusque là, donc tu n'es pas encore tout en haut. Hein. Donc tu es en train de monter, il te faudra encore un jet de vigueur. Ouais. Arnaud, par contre, faudra... tu me fais encore ton jet de vigueur. Yes. Attends, c'était là. Allez. Oui. Donc voilà, Coralie, elle est inconsciente. Mietto. Raté. Tu vas me faire un jet de volonté. Volonté. C'est réussi. Donc tu es en train de perdre conscience, donc tu sors, tu arrives à sortir, et tu arrives dans le truc des machines. Et alors, là, pour réanimer t'es en Coralie. Train de perdre conscience. T'as ta cuve qui est pleine d'eau. Donc, tu peux essayer par urgence essayer de t'enlever ton casque, mais
Voilà. Ah, je crois que c'est la solution la plus logique. Pour c'est la dernière chance. Sauver, pour essayer de te sauver et machin, ou tu essayes de faire n'importe quoi sur la machine pour l'arrêter. Non, je vais essayer de monter le casque, parce que le problème, c'est que si je me gourde de boutons ou je casse la machine, ça sera encore plus chiant. D'accord. T'accélères les turbines. Donc, tu es en train d'essayer d'enlever ton casque, donc tu en chies parce que c'est hyper compliqué. Donc tu enlèves, tu essayes d'enlever le machin, tu es en train de t'étouffer. Il te faut eh bien plusieurs rounds hein, pour essayer d'évacuer l'eau. C'est en train de s'enlever, hein, mais comme c'est un machin compliqué et tout ça, l'eau s'évacue pas bien. C'est pas une petite fenêtre qu'on fait. C'est un peu pourri, bah ouais, c'est un peu pourri. Donc bah, il va falloir me. Tu vas essayer d'enlever tout ça. Est-ce que tu as science? Est-ce que tu as des notions de science? Pour enlever rapidement. Science. Dans tes notes, tu as tes connaissances. Ingénierie. Oui, c'est ingénierie, ça passe parce que c'est. T'es ingénierie? Oui. Ouais. Ingénierie, oui, tu as. Donc, bah écoute, tu. T'as combien en ingénierie? Pardon. J'ai un plus 4. Non, mais t'as combien dans les connaissances? Alors attends, je vais regarder Miato. Ingénierie, tu as quoi? Tu as quoi en ingénierie? Ah, mais t'as pas mis de points en. T'as rien mis en fait, aucune connaissance en ingénierie quoi. En construction. Ah, en construction. Ah, t'as mis en construction. Et t'es où? Je le vois pas. Mais par contre, j'ai connaissance. Ah voilà, mais... c'est parce que t'en as deux. Je me suis fait avoir. Ah voilà, ingénierie. Oui, donc t'as quand même quelques trucs, quelques connaissances. Donc ça va te permettre un jet de dé. C'est pas automatique. Vas-y. D'accord. Un des 20? Un des 20. Ton jet de science. Plus 4. Donc là, c'est ton truc, c'est juste pour enlever l'eau. Hein. Donc c'est pas trop compliqué. Non, mais attends. Non, si mais ça, c'est un D12. Jette un D20. Je me plante de D. Le mec est en panique, là. Oui, parce que tu peux mourir. C'est ça. Voilà. 18. T'as réussi au-dessus de 15. Donc, t'es en train de... T'as l'eau qui s'évacue. Bon, lui, il est tiré d'affaire. Donc, tu craches de l'eau, tu es en train de perdre conscience, tu vas me refaire un jet de volonté. Ah, il y a beaucoup de jets, hein. Donc tu es en train de mourir, ou quoi, t'es pas en train de mourir, donc jet de volonté, tu arrives à garder conscience, donc tu es devant la machine. Les secondes passent, hein, donc de l'autre côté, il y a Arnaud qui est là. Qui attend. Voilà, il y a aussi Coralie. Hein. Il y a aussi donc un G pour notre ami. Ah non, c'est à Skirtz. Vas-y, Skirtz, jette pour savoir si ton corps se fait emporter. Qui? C'est joyeux. 5. Ah bah, c'est ton bon. Corps est emporté. Adieu. Et se fait déchiqueter et donc tout ton équipement est perdu. Non, pas tous. J'ai laissé. Exactement. Tu as laissé. C'est mon héritage. C'est ton héritage, Skirtz, est décédé. Je peux me permettre une réflexion, Glock? Bah au moins je serais pas un zombie. J'ai droit à une réflexion Glock. Oui, ou pas? Vas-y. Récupère la tête, récupère la tête. Trop tard. Voilà, c'était la blague Glock. Donc Skirtz est décédé. Il a été emporté et désintégré. Attends, c'était pas notre chef? Biche. Oui, oui, c'est oui. Oui, c'était votre chef. C'est ça. Ça veut dire que c'est censé être lui qui est. Oui, obtenir les envois de messages et tout pour les objets magiques. Donc vous aurez pas d'autres. Communication ouais. Avec Damector. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait lui qui avait. Alors Miato, Non, on avait chacun un parchemin pour ça. Oui, pour envoyer, c'est que vers eux. Ah, bon bah... Traduction, je suis en roue libre. je suis en roue libre. Voilà. Alors, t'as quand même le dernier ordre. T'as le dernier ordre. Tu sais que tu dois revenir à la surface. Ah oui, mais après je suis en roue libre pour la façon de le faire. Alors, Miato. Attends, Miato, ouais. Miato, t'es devant la console. Moi je vais essayer de ranimer Coralie. Ah ok, tu peux faire un jet. Puisque de premier secours. Puisque c'est elle qui connaît mieux le bordel. Tu dois faire un jet de premier secours. Ouais. Allez Miato. Alors c'est Sleight of End. C'est Sleight of End? Ouais.
Ah non, non, c'est pas Sleight of Hand, pardon. Ça, c'est escamotage. C'est escamotage, qu'est-ce que je raconte? C'est n'importe quoi. C'est il, bah oui, c'est il. C'est il, oui. T'es sûr, hein? C'est peut-être elle. Non, ta gueule. Allez, vas-y. Hop, et je vais utiliser, j'ai une trousse de secours, je vais utiliser une charge. Ah ok, donc t'as plus 2. Vas-y. Hop là. Toc. Oh putain, je crois pas qu'il y arrive. C'était ça, 20, c'est bien. C'était 20 de difficulté quand même. Donc t'arrives, tu fais le machin, tu mets des selles, bouche à bouche, machin, tu regardes des trucs comment il faut faire. Ok, je la tourne sur le côté et je lui donne une grosse tape. Regarde, j'ai envie. Par contre, maintenant, Coralie, faudrait arrêter vite fait. Machin, elle commence à utiliser le truc. Coralie essaye donc d'activer. Et... Alors, bien sûr, il reste un petit dernier jet pour Arnaud. Ah bah oui, évidemment. Ah bah oui, évidemment. Allez. C'est bon. Oui. Attends, pourquoi attaque mêlée? Ah non, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Ah non, attaque mêlée, c'est quoi ce délire? Voilà, bah c'est bon quand même. C'est bon quand même. Bah, ça fait le même score, c'est le même score. C'est le même score, donc... donc tu voyais que le truc, c'est en train de s'arrêter. Alors bien sûr, ça met du temps, hein, donc avant de se drainer. C'est pour ça que Arnaud a l'impression d'être sauvé, mais pas du tout. bref, de l'autre côté, nous allons passer au jeu. Pendant ce temps-là, Arnaud aura le droit, donc il faut une minute, donc 10 rondes, donc 3G pour Arnaud, pour réussir à faire en sorte que l'eau se disperse. Et je trouve qu'une minute, c'est rapide. Mais en gros, t'as l'eau qui est là et tu fais... Donc je te fais 3G de vigueur, 3G c'est ça de vigueur, oui. Alors, un de raté. Donc tu tombes inconscient. Quoi, non, tu tombes pas inconscient, mais voilà, c'est ça que je voulais. Ok, c'est bon. Disons que si tu en rates un, c'est pas bon. Ok, donc tu es à 0 PV. Quoi, t'as pris... T'entends peu plus, tu bouffes de l'eau, t'es en train de cracher tes poumons, mais t'es vivant. Donc en gros, t'es à 50. J'ai survécu. Pendant ce temps, je vais demander aux autres joueurs. Alors normalement, j'aurais dû. Quoi non. En gros, il faudra jouer comme quoi vous ne savez pas ce qui se passe. D'accord? Mais on sait pas ce qui se passe. Non, non, mais c'est à Kristen là. Kristen! Mon bon, petit ben, je vais Kristen. Encore devoir cracher ma bourse. Mon petit Kristen, pendant qu'ils étaient en train de faire ça. Moi, je joue aux cartes. Tu joues aux cartes. Ah bah, vu qu'il se passe rien, oui, je joue aux cartes. Ah oui, oui, tu joues aux cartes. Mais... Je remets une autre ambiance. Voilà, parce que ça va bien l'ambiance triste avec le cobalt qui vient de crever. Mais c'est nul, on peut même pas ramener le cadavre pour l'enterrer. Victor, tu dis que je peux jouer à prendre les sacs plutôt que finir en zombie. Il a toujours adoré cette ville. Voilà, j'en fais partie maintenant. Chut. Tu fais partie du service. Hey. Ah, apparemment, il réagit pas, notre ami. Bah, j'attends, il chute, alors je me tais. Mais t'entends pas les sons? Non, j'entends pas les sons. Ah. Et c'est pas méchant, putain, tu joues pas avec les sons, tu vas pas me casser les pieds avec les sons. Donc soit tu me décris ce qu'il y a, soit... Eh oh, s'il te plaît! J'entends pas, je te dis, donc... Parce que la voix narrative, il y a un truc qui gueule et qui... Voilà, donc... M'agresse pas comme ça. Je t'agresse pas, je veux dire, écoute, tu me dis t'entends pas, je fais non, j'entends pas. Bah oui, mais je peux pas le savoir. Je vous ai dit d'essayer de mettre les trucs de son derrière. Donc ouais, je mets des trucs d'ambiance, c'est pas pour rien. Donc bon, ok, je vais le faire autrement. Mais, moyen quand même. Donc tu entends des bruits et un cri d'une personne qui se fait tuer. Des cris étranges, des choses qui semblent se... Mais on n'était pas tous seuls dans la zone ?
Normalement. Non, mais je veux dire, les cris qui se font tuer, je veux dire, des personnes dans la laverie, il y avait pas que notre petit groupe là? Non, il y avait tous ou les alors gens. C'est, ou alors c'est Bébert qui est parti pisser, il s'est fait croquer le. Il y a tous les civils. Hein. Ah, je pensais qu'il y avait que le petit groupe armé qu'on était dans la laverie. Vous avez tous les civils, il y a près de 200, quoi, il y a une centaine de civils, quoi. Oh, je les avais oubliés, c'est con! Mais quand je disais mais oublié, mais pour moi, il n'y avait que nous. Hein. Bah non, parce que il y a Skirt qui avait demandé à Grisou de faire les défenses. Non, c'est Miato. Ah ouais, voilà, oh là. Ouais, bon, il y en a un qui s'est fait croquer, c'est triste pour lui, quoi. Donc, bah ouais, t'entends plein de trucs, des sortes de. Bah, je peux pas te le décrire plus que ça, il y a des choses. Ça, qui... ça crie, ça gueule, c'est le bordel, quoi. Y a pas la panique, mais tu entends des cris de mort et t'as des gens qui commencent. Mais qu'est-ce qui se passe? La défense! On est attaqué! C'est qui le leader? C'est Grisou. Non, mais je suis en train de plier mes cartes. Je suis en train de ranger les cartes tranquillement, moi. Je range mes cartes. T'as pas de carrière, il fait. Alors, je crois que la partie est terminée. Ouais, là tu le vois en train de s'éclipser. Bon jeu, les gars. Je me dirige vers une sortie. Grisou, je crois que ça arrive. Ils ont été trop lents. Tu t'entends Grisou qui est en train de. Qui est en train de dire attention, défendez-vous, on a bien réussi. Par où ils sont passés? Mais ils traversent les toits. Bah, je cherche un petit point en hauteur pour avoir une vie globale de la situation. Donc, bah écoute, tu vois qu'ils arrivent à tenir, qu'il y a eu quelques percées. Et tu entends, il y a quelque chose d'énorme à l'extérieur, quelque chose qui envoie des monstres. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on est attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec le conduit? Le conduit commence à s'évacuer. On n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Alors. Il faut les retenir. Voilà ce que. Alors, voilà. Donc, il y a deux choses. Ou vous tentez de vous enfuir tout de suite parce que vous savez que vos amis ont réussi. Ouais, mais ils sont pas censés revenir par là? Ben, normalement aussi, mais pour l'instant, tu t'entends juste qu'ils ont réussi à commencer à faire... Oui, mais si je vois le... Bon, voilà, si je vois Loki Bell, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, c'est-à-dire qu'ils sont encore en vie, c'est-à-dire qu'ils vont revenir. Voilà. Là, tu vois que les gens sont en mode panique, et quoi, en mode panique, ils sont en train de se défendre. Ils ont quand même un arsenal, en plus, je tiens à préciser. Tu vois un de ces monstres, un de ces monstres qui est là, qui vient de découper un mec en deux. Et il y en a plusieurs qui sont réussis à entrer, et donc ils sont en train de se défendre, donc... Où tu tentes d'aller vers la sortie, ou tu essayes d'aller vers l'endroit du combat. Là, il est temps de faire parler le feu, là. D'accord. Il est temps de faire parler la poudre. J'aurais bien dit il est temps de faire parler la poudre, mais je fais du feu sans poudre, donc. Ok. C'est, donc, je range les cartes, j'allume un cigare, je trouve un point à hauteur et je regarde ce qui se passe. Donc tu vois Grisou qui arrive, il fait ouais, bon. Les barricades fonctionnent, il y a quelques monstres et tout ça, mais on est quand même bien entraînés, il y a pas mal de membres des doubles pioches qui sont là, je l'ai réussi à les calmer par rapport à ce qui s'est passé. Les gens liés à Coralie sont bien sont têtus, ils se laissent pas tuer comme ça. Mais du côté est, quoi, du côté sud de la laverie, apparemment il y a quelque chose, un autre truc qu'on n'a pas encore vu. Qui s'approche, c'est là où il y a le plus de masse. Ils vont bientôt faire une percée, c'est sûr. Tu veux pas commencer par ça et de me raconter ta vie? Et je vais au sud. Ok. Donc tu t'en vas au sud. T'as Grisou, il fait. Et moi, je. Et. On ne devrait pas essayer de faire un. Il réfléchit, il fait bon, on va essayer de. Je vais essayer de protéger la retraite, faites attention! Donc tu vois que Pat, lui, il s'est carapaté. Mais il y a Caleb qui te regarde, il fait « Ah bah non, je vais pas te laisser mourir après ce que t'as fait. » Non, je crois qu'il est temps d'aller s'amuser un petit peu. Donc, ok. Donc tu vois cette barricade où les gens avec des fusils sont ralentis autant qu'ils peuvent. Et t'as quelques cadavres de trucs qui sont fait déchiqueter, tu vois qu'ils ont mis une sorte de canon léger et pff,
Est-ce que je vois que les ennemis, c'est les mêmes choses qu'on avait croisées, ouais. Les deux qu'on avait croisées en amont? Oui, mais il n'y a pas que ceux-là d'ailleurs. Aïe, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y a des nouveaux qui leur ressemblent beaucoup. Alors, hop. Ah merde, je l'ai mis où? Alors déjà, je vais mettre ceux. Alors, ennemi, voilà. Donc il y a ceux-là. Alors celui-là, ouais, ça c'est ce qu'on avait vu. Voilà, donc c'est à peu près, ça y ressemble vachement. Mais il a une tête différente et tu vois qu'il, en fait, à la place de la scie, il a une sorte de pompe, en fait, à la place de la tête. Quoi, il a une tête en forme de pompe. Et je te montre ça. On peut littéralement dire qu'il est con comme un piston, du coup. Voilà. Donc il est pistonné. On est con comme des pistons. Ok. Voilà. Va falloir démembrer ça, à sec. Monstre crasheur. Ah, oh, j'aime pas sa gueule. Voilà, on dirait que c'est les doigts qui sortent, c'est marrant. Voilà, donc en fait, il a une sorte, tu vois, des pistons. Tout un mécanisme, ouais. Avec, ça fait vraiment genre, voilà, c'est comme un truc de jet d'eau, quoi. Où il forme et tu le vois cracher de l'acide sur des gens qui étaient à l'extérieur, qui n'ont pas fait trop attention, et pff, tu en as un qui font note à moi-même, m'écarter de ça. Donc tu les vois en train de s'avancer et il y a une autre bestiole encore un peu plus loin, plus grosse, c'est beaucoup plus grosse, elle fait 4,50 m de haut. Alors je sais pas, mais je le vois, je regarde son nom dessus, c'est lui qui dirige. Donc tu vois qu'il a plein de sortes de filaments de bras. Et ouais. Qui, il plante directement dans des corps qui commencent à s'animer. Et, d'accord. Tu vois en fait un de ses bras qui ressemble à des fusils. Mais fait d'os, d'acier, de câblage. Et de chair en fait. C'est vraiment très bizarre. Ah ouais, il est vraiment pas cool lui. Il est assez loin, hein, tu le vois qu'il est en train de regarder. Il envoie une masse, tu vois, une trentaine de créatures qui foncent dans le tas. Ah ouais. Et tu vois que c'est la première vague qu'il a décidé d'envoyer. Donc tu comprends très bien que là, les gens... À quoi on attend, c'est 30 ou... 30, ça fait une belle vague. Non, en fait, il y en a plus. Il y en a plus d'une cinquantaine, en fait. Oh putain. Donc tu les vois. C'est 30, c'est crack. Tu vois qu'ils ont du mal et tout un coup, ils commencent à avancer, ils se prêtent des coups de canon. Tu vois qu'ils sont une dizaine à essayer de tenir la barricade, ils te voient arriver. T'en as un, il fait bon, si on doit y passer, moi je me suicide. Hein. T'as les autres, il fait ouais, j'ai une bombe à Hadar, je peux essayer au moins de les ralentir. Ils sont énormes, ils vont tous nous massacrer. Bon, je peux arriver façon badass, au moins. Ah bah oui, tu peux avancer badass, oui. Bah, j'arrive, donc c'est... comment ça s'appelle? Cigare au bec. Ouais. Forcément, cigare au bec. Tu vois, mon personnage, il ouvre le comment ça s'appelle, son manteau. S'il le lâche, il est retenu que par la ceinture. Torse nu. T'as juste t'as juste le bras mécanique qui commence à s'activer. Mm-hmm. Tous les tatouages qui commencent à s'illuminer de plus en plus. Et c'est parti. Et là, d'un coup, se fait, je m'en occupe. Et je peux jouer, je présume? Oui, tu peux jouer. Hein. Tu vois que Caleb est là. Ben ouais, tu t'en occupes, mais vite, là, parce qu'ils arrivent. Quand même. Oui, avant, ben, vite, à ce point. Tu vois, mon personnage, il est dans son dos, en bas de son dos. Vous voyez qu'il a... Enfin, vous voyez, les mecs, ils voient qu'il a deux bâtons en acier. Il prend un des deux. Commence à tourner, commence à incanter. Celui qui était avec moi, c'est Skiers qui m'avait vu à la maison. Oui. Ah, c'est dommage. Enfin bref, vous voyez. C'est sympa pour Skiers. Bon, c'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Non, mais parce que je m'explique, c'est que dans le sens où c'est pas celui qui est personne avec moi, et que du coup j'aurais pu comparer la précédente incantation que j'avais fait avec celle-là. Mais je crois que c'est Miato qui était avec toi dans la maison. Je crois que c'était Miato. Moi, il me semble que j'étais à l'extérieur en train d'attendre. Moi, c'était moi qui étais dans la baraque. De Dynamito.
Ah oui, c'est vrai, oui, bah t'étais. Ouais, mais t'es pas là non plus, donc tu vois, je peux faire la comparaison des deux incantations parce qu'elle a un peu changé, c'est. Enfin bref, je suis en train d'incanter, c'est pareil, vous. Bon, pour l'histoire, c'est que vous revoyez les cercles de la dernière fois, sauf qu'il y en a beaucoup plus. Ça marche. Il y en a beaucoup plus. Et donc, je balance une belle boule de feu, mais au plein milieu, cette fois-ci, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment ça s'appelle de. De parchemin claqué, quoi. Ouais, c'est les maisons. C'est là les maisons. Vas-y, vas-y, fais-moi les dégâts. Pff, alors là. Alors, attends, les dégâts. Alors, je claque. Alors, il y en a un qui stomp the size qui te demande si t'en fais pas un peu trop. J'en fais pas un peu trop. On va voir les dégâts. Et suivant les dégâts que je vais faire, on va voir si j'en fais trop ou pas. Okay. Et là, il fait que des 1. Ah bah, c'est possible, hein, c'est possible. Et c'est, mais bon, sur QDO, il fait 20 points de dégâts. Arnaud, c'est bon, hein. Ah, mais bon. Ah, je suis déçu que mon arsenal n'ait pas servi, finalement. Ah oui, c'est un peu dommage, hein, je suis... Franchement, je m'attendais pas que ce soit toi, hein, mais finalement... 73. Donc, bah, écoute, tu envoies une boule de feu dans le tas. Pff, se fout désintégrer. D'un seul coup, les dommages sont tellement sévères que pff, vous les voyez cramés, complètement désintégrés. Y en a qui sont, ouais, y en a qui sont, pff, sont vaporisés par l'explosion. Y en a qui sont en morceaux, vous voyez une tête, des bras, des morceaux qui passent. Y en a quelques-uns qui passent sur le côté. Pff. C'est comme ça qu'on démembre. Et même ceux qui avaient essayé d'esquiver, pff, ils sont dans un état, ah, ils leur restent un bras, ils sont en train de ramper. Ouais. Si tu veux l'aider... Il doit être entre 23 et 24. Ouais, non, mais y a pas de soucis. Donc tu vois qu'ils sont en train... Là, ben, vous voyez qu'il a stoppé sec l'avancée. Et la créature derrière, elle se met comme ça. Elle, tu vois qu'elle retient un peu tous les gens. Et tu vois qu'elle braque son bras vers toi. Et tu vois... Pff, à terre. Là, ça fait... Plein de tirs là, ça fait... Je me... Là, ça fait... Je me la pète, du coup, je vois ça en face. Je me la pète plus. Donc t'es là et tu fais... Et à la place où il y en avait deux tirs, tu vois que son bras, il devient énorme et pff, tu vois... Oh putain. Du coup ça fait... Pff, à terre pff, il commence à tirer... comme quand une sorte de mitrailleuse, quoi. Ah, je me jette derrière le premier mur, la première caisse, la première personne, même s'il n'y a rien d'autre, quoi. Donc, je m'en bats les couilles. Un peu bizarre parce que comme c'est vraiment des fusils à mousquet qu'il essaye d'imiter. D'accord. Et en gros, tu vois des sortes de filaments... qui apporte du sang qu'il met dans le canon, et il met une bille en os pour tirer. Donc tu vois, en gros, il fait le rechargement normal d'un fusil, mais il utilise tout son corps pour faire les compositions pour faire tirer. Donc là, il tire pff, toi, une slave de 10 tirs, donc il y a Caleb aussi. Hein. Mais moi, comme je t'ai dit, je me cache derrière le truc le plus proche, même si c'est des personnes. Oui, hein, bah, écoute, tu vois... Tu plonges carrément pour augmenter ta classe d'armure. Et donc là, bah, ça tire donc partout. Hein. Ah ouais, mais de toute façon, les tirs, je vais me les prendre. Ma classe d'armure, elle n'existe pas. Hein, donc... je sais que t'as un personnage tout en puissance. Moi, je ne fais que de la puissance. Si on m'attaque, je suis mort. Voilà, ah, mais j'assume. J'assume entièrement. Ah oui, je sais que t'assumes complètement. Alors, on va prendre le truc de combat. Allez, et, le Blast Cannon. Le jet de vigueur est réussi au fait. Hein, pour la donc il a fait son. J'ai retiré ma constitution aussi. Bon, j'avais mis le truc de tir quand. Là, comme il se met en position de siège, donc là il y en a beaucoup plus. C'est simple. En gros, je vais faire. J'avais dit qu'il y avait une dizaine de personnes, donc il y en a 12. 12 G. Je vais faire. Je veux dire, c'est un D12. Et comme il y a 10 tirs, en fait, en gros. Je prends tout ce qui fait 12 ou tout ce qui fait 1, c'est ça? Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. 11 et 12, c'est 11, c'est Caleb, 12, c'est toi, d'accord? D'accord. Alors, est-ce que pour le chien, je peux prendre le numéro 8? Non. D'accord. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. 12 et 11, donc vous prenez 15. Bah, si je puis me permettre, avec 8, j'aurais rien pris. Ah oui, tout à fait. Eh bien, non. On n'aurait peut-être pas dû. Ouais, j'en prends une, du coup, c'est ça? Une chacun, en fait, c'est ça? Une chacun. Allez, vas-y, fais attention, j'ai 10 de CA, plus le couvert. Fais attention à toi, hein.
Ah, tu m'as touché, je m'y attendais pas. Tu t'y attendais pas, hein. J'aurais pu faire un seul jet, Caleb. Oh, Caleb, il a... Bah, j'ai pas touché, donc tu prends que... Bah, 6 points. Tu vois, c'est pas grand-chose. Là, ça avait l'air d'être beaucoup, mais en même temps, il tire 10 fois. Ouais, c'est un peu ça. Le mec, il tire 10 fois par tour, j'ai envie de dire. On va se calmer un peu, hein. Donc bah tu vois les premières slaves, donc les trucs sont en train de s'écarter. Ils font oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les monstres sont en train de se rassembler. Il a fait une bonne percée. Mais combien de tout le monde ne pourra pas être sauvé. On n'aura sauvé qu'une partie de la population si on s'en va tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vous regardent. Parce que j'ai une gueule de leader. Ah bah tu viens de faire une énorme explosion, donc ils te regardent. Ils me regardent, je suis à terre, hein, moi. Je suis comme ça. Oui, bah ils sont à terre aussi, tu vois qu'il y a des mecs qui sont pris des balles. Ouais, c'est ça, en fait, il y a tout le monde qui est en train de faire, on fait quoi? Il y en a un qui est mort, quoi, celui qui a pris les 3-4. Ah oui, en plus, si je peux me permettre, les 3 à la suite, en plus, c'est vraiment un charlé dessus. C'est vraiment un charlé dessus. Il y a un gars qui s'est fait exploser. Au moins, il repousse pas à distance, ça va. Ah non, ouais, pour l'instant, ils sont en train de se rassembler et faire des petits groupes. Tu vois qu'en fait, ils sont en train de faire des packs. Ils sont en train d'encercler et là, ils vont faire, en fait, pour pas que tu les tues d'un seul coup, faire des petits groupes, quoi. Ouais, bah normal. Donc, retenez-les. C'est clairement intelligent, quoi. C'est ça. Ouais, je vois que la créature. Retenez-les. Tant qu'ils sont pas sortis, on doit tenir. Ah, juste une chose. J'ai pas envie de faire mon salaud, mais là, je crois que c'est Caleb qui a pris les dégâts alors que. Là, je crois que c'est Caleb qui a pris les dégâts. Ah merde, moi je me suis mis les dégâts, moi. Oui, pardon, Caleb, t'as bien fait de me le dire. Caleb, mis les dégâts, moi. Ah oui, mais en fait, Caleb, il faut lui remettre 6 points de vie. Oui, c'est bon, je vais lui remettre. On va mettre maintenant à la place des sons, hop, on va mettre un truc de combat. D'accord, donc... Parce que j'ai dit. Hein. Tant qu'ils sont pas sortis, il faut le retenir. Ok. Tu penses que là, tu vois que on attend, t'attends le bon moment, donc il tire des salves et il voit que ça fait rien, donc là. Il recommence à. Il renvoie les troupes, donc t'as les gars, il y a eu 2 morts, hein, c'est tout. Il y a la barricade qui a été criblée de balles. Et t'as les gens qui disent ouais, j'ai encore le canon! Allez, on va lui en faire montrer là. Ah, donc tu vois que les gars ils commencent à se relever et puis on va les arrêter. Donc tu vois les créatures qui foncent et tout. Et là, tu vois, ils ont fait des petits packs par 4. Avec toujours une où c'est un avec le tuyau, quoi. En fait, sur chaque pack, il y a un tuyau qui relie une personne, c'est ça? C'est ça. Donc comme t'as tué à peu près une vingtaine. Un peu plus d'une vingtaine d'un seul coup, tu vois qu'ils ont fait des groupes comme ça. D'accord. Où ils sont en train de se rassembler pour arriver tous sur la barricade, mais pour l'instant ils sont tous dispersés. Je regarde comment ça s'appelle au-dessus. Genre pour commencer, voir si par exemple s'il n'y a pas des. Comme s'il n'y a pas de grosses machines passe ou tu sais des gros bacs énormes ou la machinerie qui, par hasard, pourrait leur tomber dessus sur les groupes ou sur le gros monstre de derrière. Pour le calmer un peu. Tu remarques des installations en métal qui sont des escaliers, etc., pour arriver jusqu'au lavoir, mais qui ont bien morflé. Mm-hmm. Donc tu penses pouvoir au moins les ralentir avec ça au moment où ils arrivent dedans, où ça va se défaire et ils vont se faire empaler en partie par ces trucs-là. Quoi. D'accord. Donc il faudrait agir maintenant ou attendre qu'ils avancent un peu J'estime à peu près. Bah là, si tu fais ça, tu pourrais peut-être en prendre 2 groupes. Tu peux paralyser 2 groupes sur les 6 qui arrivent. Ou tu attends qu'ils arrivent vraiment devant. Je vais attendre un peu et je vais tenter autre chose. Je vais faire. Je vais essayer de viser les câbles. Les câbles ou les personnes qui sont reliées, tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Je vais plutôt essayer de viser ça. Ok. Et pour ça, c'est Caleb qui est là et qui fait. Il commence à se concentrer. Il balance une foudre sur un des groupes. Donc je vais utiliser une foudre, hein, quand même. C'est pas parce qu'il est pas là qu'il doit glanter.
Hey, mais attends, si je le vois qui lance l'éclair, je lui demande si c'est possible de viser le monstre crasher. Et si lui et moi, on concentrait nos tirs de là où les câbles partent du monstre. Tu vois ce que je veux dire? La zone précise du monstre commandant là. Ah, du monstre commandant, tu veux viser le monstre commandant? Il est quand même assez loin, mais. Ce que j'aimerais bien viser, c'est particulièrement si c'est une seule zone. Enfin, je sais pas si les câbles, ça part d'un peu partout sur lui, ou si une zone câblée qui. C'est par exemple le bras, c'est vraiment le bras. Ouais, c'est juste son bras. Ouais. Et est-ce que là, les câbles qui permettent de contrôler les bonhommes partent d'un endroit précis, ou ça peut venir de l'équivalent d'un pied, d'une orteil, d'une tête. Ah oui, ça peut venir. Est-ce qu'il y a un cordon, genre de câble qui ressort? Ouais, ouais, ça part un peu de tout son corps, quoi. D'accord, donc il y a pas moyen de viser l'entrée des câbles. D'accord. Bah écoute, je vais rester sur l'idée de. Mon idée de comment ça s'appelle de rayon. Ok. Donc j'utilise encore la machine. Ça marche. Ah, c'est mauvais jet, c'était un jet de volonté que je vais faire, mais c'est pareil, c'est 4. C'est pareil. J'ai 4 partout. Ça fait quoi donc? Donc c'est bon. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. J'utilise pas assez de charge pour. Par contre, il va falloir que je change de cristal bientôt. Prochain coup, il faut que je change. Donc, tu vois Caleb qui balance une foudre. Hein. Donc, hop, je me retire ma constitution. Si je fais ça, il aura plus de sort niveau 3. Putain, il a pas mis les préparations. Je comprends pas pourquoi il a pas fait ça. Ah, je sais. Il a pas mis les trucs en haut, c'est ça? C'est foutu. Ah si, putain, il est mort. Il a plus de sort. Je sais pas. Putain. Bon, Donc, je dois cibler quelque chose ou je fais juste mes jets tout court et tu me dis si ça touche? Ça marche. On fait comme ça? Oui. Bah, excuse-moi, Caleb. Hein. Désolé, Caleb. Caleb, je suis désolé, je sais pas pourquoi je te cible toi. Tu envoies des rayons de feu sur les monstres ou sur les câbles? En fait, j'essaye de viser les câbles. Enfin, soit le monstre précis qui est câblé du groupe. Ouais. Soit le câble en lui-même, quoi, en fait, ce qui est de mieux. D'accord. Que tu m'autorises, quoi, en fait. Tu peux viser le câble du monstre qui part donc du boss. Hein, qui va juste écoute, si le premier rayon détruit le câble, je vise avec le deuxième et je vis. Deuxième et avec le troisième et le troisième. Bah écoute, tu puéris son câble et tu vois que les trucs s'arrêtent, en fait, sur place. Et qu'il y en a pas mal qui comprennent plus trop ce qui se passe. D'accord. Visez ceux qui sont câblés! Tu vois que les gens, ils commencent à tirer. Hein. Tu veux les dégâts ou pas? Non. Ou c'est pas la peine? Tu vois qu'ils essayent de viser, ça les ralentit encore un peu. Donc on considère que c'est plusieurs rounds, hein, le temps qu'ils se déplacent et tout, ça s'approche, oui. Ça fait plusieurs minutes. Là, vous avez sauvé une partie des gens. Le fantôme de Skat. Là, il reste le troisième tour. Pour essayer de sauver le plus de gens possible. Donc tu vois que la masse commence à arriver, ils se sont repris, malgré le fait que tu aies coupé les liens. Tu vois qu'ils sont moins actifs, ils sont moins rapides, ils sont plus lents. On doit faire gagner du temps, en gros. Donc tu vois qu'ils sont un peu plus... ils ont du mal, en fait, ils ont toujours des temps de réponse très lents. Comme d'habitude, à chaque fois, ils s'arrêtent, ils avancent, ils s'arrêtent, ils s'avancent. Ils commencent à vraiment se regrouper sur la barricade. Vers la barricade. Bah avant qu'ils arrivent, là maintenant c'est le moment où je prends les projectiles magiques et que j'envoie 5 projectiles magiques dans les structures pour leur faire tomber sur la gueule. D'accord, ça marche. Tu veux des jets de dés pour ça aussi? Non, ça c'est cool, c'est juste un truc plutôt romancé. Hein, donc, d'accord, mais je craque mes sorts à chaque fois. Hein. Voilà, c'est que tu utilises tes sorts et tu vois que tu les paralyses, hein, ça les tue pas. Mais ça les bloque et donc là les gens. Ah oui, bon, là, pour faire allez, on se casse. Là, c'est le but, c'est les faire retarder, reculer pour
vous êtes en possible à... Vous voilà en train de sortir de cette galère, et vous revenez, vous traversez le conduit hydraulique, les gens sont menés par Coralie, qui s'est réveillée et tout, et il n'y a Pat qui a récupéré donc le matos de Skirs qu'il faudrait qu'il me donne. Exactement. Ah, tu peux regarder dans mon inventaire en fait, tout ce qui est armement en fait. En fait, tu prends tout ce qu'il y a dans le Havre Sac 2. D'accord. Voilà. Pauvre Skirs. Ah, pour l'instant, t'es pas encore en courant. Si. Bah... J'ai le droit à une deuxième blague pas drôle. Non, moi aussi, si tu veux. Mais... Il est mort avec le sourire. Ah bah oui, forcément, toujours. Donc, avec Caleb, vous êtes rassemblés dans les tuyaux. Les gens sont là, ils savent qu'ils peuvent les emprunter librement, ils savent pas par où ils vont sortir. Bien entendu, il y a des gens qui voudraient vous suivre, mais c'est à vous de décider. Je vais arrêter quand même la musique de combat. Ah, moi, c'est épique. Je paye 200 pièces d'or pour qu'ils me soignent. Là, c'est pas que je veux pas, mais je sais pas si on a le temps là. C'est pas que j'ai pas envie de pas te soigner, mais c'est que... Ben, je... Ouais, mais pardon. En fait, vaut mieux un mec qui ait des capacités au cas où, parce que... Oui, non, mais, non, mais... Ah, attends, mort. C'est juste une question de temps, en fait. Parce que ça prend du temps de te soigner, et que, comme je vais te dire, on se bouge le cul, ça arrive dans tous les sens. Voilà, exactement. tu vois les gens qui sont en mode panique. Les barricades, elles sautent, on n'a pas le temps, bouge ton cul. Donc, voilà. C'est très bien ce qu'il a dit. Voilà. Là, c'est en panique. Les gens sont en train de courir. Ouais, on a fait sauter l'entrée, mais ça va pas tenir très longtemps. En fait, il faut imaginer, je pense, tout le monde qui arrive, moi en premier, en train de courir, avec derrière moi les civils et les militaires, et derrière un tas de zombies. Alors, non, les zombies, quoi. Là, moi, je considère que t'es déjà rentré dans le tuyau. Donc, d'accord. En effet, c'était mais ils comme vont ça. Pas tarder. Donc, eux, toi, t'es en dernier, quoi. T'as un dernier, les gens, là, ils sont là, ah bah c'est cool, ils arrivent, et tout d'un coup, ils vous voient. Courez comme disaient les Québécois, les Canadiens, pas le temps de niaiser. Donc, bah écoute, vous voyez que les choses se passent pas trop mal, pas très bien. Il y a Coraline qui est là. tous les gens sont arrivés, donc vous êtes tous à moitié morts. Vous avez plusieurs directions. Donc il y a des gens qui sont en panique, qui partent un peu. D'un point de vue panique, est-ce que tout le monde est rentré et est-ce qu'on peut fermer l'entrée du tuyau? Oui, c'est ce qu'il y a un des mecs qui l'a fait sauter. Ah, donc là, on a un peu le temps de souffler. Ouais, mais vous avez quand même couru, hein, parce que vous savez que le truc, il est pas loin. Hein, parce que vous comptez non, mais je veux dire, de souffler, je veux dire, on n'a pas littéralement le monstre derrière nous. Non, vous n'avez pas le monstre derrière vous. Vous pouvez... On a de quoi voir... Là, j'ai le temps de le soigner. Oui. Voilà, genre, on n'est pas... Voilà, donc vous avez pratiquement 230 PNJ avec vous, et vous avez aussi gagné... Donc, un PNJ supplémentaire, c'est-à-dire vous avez Grisou et Coraline. D'accord. Donc, oui, je te soigne, hein, y a pas de souci. Alors, okay, attends. Tu prends tes 200 pièces d'or. Et, alors, attends, je te cible Arnaud. Est-ce que j'ai. Ah, attends, parce que j'ai signé Arnaud et Caleb. Alors, attends, Arnaud, je te décible. Je cible Caleb. Mon seul vrai regret. Voilà, ça fait à peu près 230 PNJ. Et donc vous avez Coraline, Pat et Grisou. Attends, j'en tente un. Est-ce que c'est bon? Ouais, un. Il faut que je remette les points de dégâts de Caleb alors. Pourquoi ça le soigne pas? Mais pourquoi tu soignes sur Caleb là? Mais non, c'est pas Caleb que je veux soigner. Je peux pas le décibler, Caleb. Ah, ben voilà pourquoi. Ah, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Bon, je les relance. T'as fait tellement de soins que... Je suis désolé. Bah, il faut lui remettre... Sur le Caleb, il faut lui remettre 14, 20, 24, 26, 25, 20, 26 dégâts. Ok, c'est bon. Voilà. Bon, du coup, je me permets de re-soigner. Je me refaire léger, du coup. Ce sera plus vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Allez, 13, 1 point de dégâts.
Tu utilises ton machin, mais quand on empêche que vous êtes tous ensemble et il manque une personne. Là, bah attends, là, c'est... Deux secondes. Il faut que je coche ma fiche. Voilà. Oh putain. Et surtout qu'en plus, il y a la machine qui chauffe, là. Il y a encore de la fumée qui ressort. Il est... Oui, en plus, Miyato, il est... était... Il est où le lézard? Il est où le lézard? Comment te dire? Avec tes mots, s'il te plaît. Il est partout en ville, maintenant. Il a fui? Non, il est éparpillé dans toute la ville. Tu vois le gros truc là au centre avec les pales, tout ça? Non, mais j'imagine du coup. Voilà quoi. Bon, en gros, Skir c'est mort, voilà. Faut le dire les choses comme elles sont. Bon, c'est pas que j'ai pas envie de le pleurer, mais on n'a pas le temps là, allez on se grouille. Quoi, même pas une larme? T'entends une voix d'outre tombe. Il se retourne, même pas la moitié d'une. Salaud. Bonsoir. Bonsoir. C'est qu'on peut plus parler à la... dame. Alors donc, bah vous voilà, vous avez plusieurs directions. Vous pouvez essayer de ressortir dans la ville, dans le refuge des pierres. Bon, qui prend le commandement? Je suis sûr que c'est comme ça, avec lui, tu confirmes que si, lors d'une mission, malheureusement, il y a le décès du chef, il faut que quelqu'un reprenne. Il faut que quelqu'un reprenne. Hein. Moi, je veux bien. Donc, tout le monde veut, ça va être l'anarchie. Moi, j'ai voté pour moi, mais attends, j'ai quand même proposé, j'aurais pu m'imposer. Alors, qui est le chef? Proposé. Là, t'as le fantôme de Skirs qui se fait un space palm. Alors, est-ce qu'il y a un qui se propose? Arnaud s'est proposé, c'est ça? Ouais. Moi, ça me va. Hein. Si ça t'amuse. Allez, c'est parti. Arnaud, on fait quoi? Bah, du coup, on doit retourner voir Damictora. On n'a pas le choix. Il faut qu'on rentre au Bercail. C'est le dernier ordre qu'on a reçu. Alors, dans le réseau hydraulique que vous avez maintenant asséché, vous avez la possibilité d'aller vers les usines hydrauliques, d'y accéder. C'est dans les lieux, je vais vous montrer, il faut regarder la carte, je vais vous l'activer. Hop. Si je me rappelle bien, c'est vers le C orange. C'est le 6 jaune. 6 jaune. Le 6 jaune. Vous pouvez aller jusque là-bas. C'est qui était le plan de base. D'accord. Vous pouvez, de toute façon, vous arrêter là et essayer de continuer votre chemin un peu plus loin. Ou arrêter au 6 et sortir de la ville. C'est-à-dire remonter dans les infrastructures de cette usine et de sortir à l'extérieur. Vous pouvez, bien entendu, si finalement ce plan ne vous plaît pas, vous dire, on peut essayer de trouver un chemin et sortir du côté du H, de la caserne, de la garnison. Ouais, on va essayer de sortir du côté de la garnison, je pense que c'est plus simple pour rejoindre Damictora. En sachant que si vous arrivez là-bas, après, ça va être plus... il faudra passer forcément par la porte d'entrée, quoi. Et si la porte d'entrée est fermée... Par le A violet, là. C'est-à-dire que si tu passes par le H, tu es obligé de passer par le A violet. Mm-hmm. Et si on passe par le 6, on peut ressortir par le 6, vous êtes pas... ça vous permet d'éviter le A violet. C'est ça que je veux dire. On va sortir par le 6, du coup, on va sortir par le 6. Hein. Les deux sont peu valables. Hein. C'est juste deux arcs narratifs. Quoi, c'est deux lignes narratives différentes. Hein. Y a pas de... Parce que le problème, c'est que aussi, l'inconvénient, c'est que si on arrive à la garnison et qu'ils ont pété un peu un câble à cause de l'item dont vous savez, pour éviter de trop. On cherche le moyen le plus rapide, on n'est pas là pour aider. C'est ça, non mais le problème, c'est que si on arrive au H et qu'ils ont tous pété un câble à la garnison, je me vois mal, vu dans l'état dans lequel je suis et qu'on est certain, à se taper toute la garnison pour passer. Ah oui, non mais puis après, comme on disait, on doit aller là-bas, c'est tout.
Moi, je serais d'avis d'aller vers le 6 pour essayer de ressortir, éviter la grande porte et passer donc après vers. Vendu, surtout qu'en plus, si c'est ouais, la grande, la grande porte, ça doit être bien blindé de personnes. Ouais, je pense c'est que c'est bien d'écouter ta suggestion et je pense qu'on va passer par là. Et surtout, ce qui me fait peur, c'est qu'à la grande porte, si elle est fermée, et, tu te rappelles comment quels étaient leurs ordres la dernière fois ? En cas d'émeute, fermer les portes, tirer à vue. Ouais. Et je tiens à signaler que c'est pas une émeute, là. Non, donc, c'est pire. Donc là, ils doivent tirer au canon, directement. Ouais, on va éviter de finir en... On va éviter de finir comme Skiers, hein. Bon, allez, bouge, on se bouge, là. Donc, maintenant, la question, c'est... Est-ce que vous embarquez les PNJ ? Alors là, il y a Grisou, il y a Pat, qui semble... je sais pas si vous les gardez avec vous. Bref, s'ils sont avec nous, autant les qui nous accompagnent, ça nous fera toujours au moins de l'aide en cas de gros combat, puisqu'il y en a qui sont armés et tout ça. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, Arnaud et Christ. C'est une bonne idée. Ça nous fait une petite troupe armée avec contre, nous. Coraline, elle n'abandonne pas les gens, hein. Donc si vous la voulez, il faut l'embarquer. Il faut embarquer tous les gens. On prend juste Molark et Pat. D'accord. Ah, moi, je serais d'avis d'emmener tout le monde. Non, non, mais il y aura trop de monde après. Ça va faire trop boucan. Essayons de pas non plus trop avoir de monde avec nous. On n'est pas là pour ça. Ok. Oui, voilà. Ça marche donc. Bah écoutez. Enfin, au final, c'est Arnaud qui a le dernier mot. Tu l'as. Oui, non, mais moi, vous l'avez élu chef, hein, donc c'est donc lui. C'est Arnaud qui a le dernier mot. Pas. C'est pour ça. Moi, Coraline se met de côté. Vous avez donc plus Coraline et les 250 PNJ qui eux font aventure dans leur coin. Vous partez donc du côté de l'usine. Hein, alors, vous les laissez passer devant ou vous passez devant ? Du coup, moi, je laisse un d'eux passer devant. Non. Je parle de Coraline. Est-ce que vous les, passez, les laissez passer ah devant ? Ah oui, on les laisse. Oui, on les laisse passer devant. D'accord. Non. Coraline ne vous fait pas confiance. Parce que la personne qui faisait confiance, c'est Skirtz. Donc, bon, quand si elle voit voulez, les actions et que tu viens de lui dire « Bah non, passez devant !» Elle a bien compris que tu voulais l'utiliser comme chair à canon. Et ce mouvement de traîtrise, étant donné que Arnaud, la dernière fois, la seule réflexion qu'il a fait devant Coraline, c'est « Oh bah Pat, si t'as un problème, si t'es pas bien, bah je te tue », elle a compris que le nouveau chef n'était pas du tout l'individu au bon cœur qui était Skirtz. Donc, ils vous abandonnent, ils vous laissent tranquille, ils vont prendre un autre chemin, parce qu'elle connaît très bien le truc, le système hydraulique, parce qu'elle a les cartes. Eh oui, et, c'est pour ça. Résultat, vous démerdez. Pour le coup, c'était pas mon but hein, de m'en servir comme chair à canon. Ah oui, mais c'est vu comme ça. Donc, elle s'en va dans son coin. Bon, bah nous, on prend notre chemin pour donc, aller où on doit aller. Voilà, vous allez essayer de vous retrouver. Et le Arnaud... chef guide. Donc, et Arnaud, tu sais où tu vas dans ces conduits ? Ah merde, j'y avais pas pensé. Putain. on va essayer de se repérer par rapport à ce qu'on a déjà visité. Le problème, c'est que ces conduits-là, on les a jamais visités. Ah merde, bon... Et dois-je te rappeler que pendant que nous avons visité la grande salle là où on s'est tous retrouvés, toi, t'es resté à la porte d'entrée. Bon, je c'est moi qui soupire et je vais voir Coraline avant qu'elle... Mais tu vas voir Coraline avant qu'elle... Ouais, je pousse le groupe pour aller la voir. D'accord. Donc tu vois que Coraline est en train de donner les ordres et tout. C'est bon, on va utiliser... Elle te regarde. Ouais, tu sais, je m'approche juste comme ça, je fais. C'est limite, je viens en paix. Je viens en paix. Toi que... Alors attends, on va mettre une image de Coraline quand même. Tac. C'est tranquille, c'est main clé de main comme ça. Oui, je vous écoute. Bon, je vous écoute parce que vous avez aidé ces pauvres gens à s'en sortir vivants. Aide collatérale. Mais. Ce que voulait dire mon collègue, c'est qu'il cherchait pas à vous envoyer au char à canon, c'est juste. C'est à nouveau, il sait pas encore ce qu'il fait dans le groupe. Mais par contre,
On a besoin d'un peu d'aide. Au moins, la direction à prendre pour rejoindre le Nirvana. Sympa, comment ça s'appelle? Le 6, est-ce que le 6, si je dis pour rejoindre le 6, c'est pas très RP. Oui, non, c'est l'usine hydraulique. Pour rejoindre l'usine hydraulique, il doit maintenant se retrouver à sec. Il y aurait moyen de négocier. Toi qui te regarde. On peut négocier. Tu me fais un jet de diplomatie, s'il te plaît? Bien sûr. Diplomatie, putain, je dois pas être bien mou. Ah, si, j'ai mis des points dedans. Je suis presque étonné. C'est pas moi qui va diplomate, qui va être en diplomatie. Bah, surtout qu'en plus, bon. J'ai pas la compétence. Je suis étonné d'avoir mis des points dedans. Alors, bonus ou relance? C'est si mauvais que ça? Ah non, non, c'est en tout 10. Donc, je peux pas te dire si c'est très mauvais ou pas. À ce point? Ouais, bonus. Ça marche. En tout cas, qu'elle te regarde. J'ai remarqué que vous faites payer pour les soins quand vous êtes arrivé. Disons que je ne peux pas me permettre. Donc, il est totalement compréhensible en tant que de pour vous fournir une carte que vous la payez. Je vous écoute. 50 pièces d'or. C'est pas cher payé vu la crise. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, je lui file. Et je lui file les 50 pièces d'or, il n'y a pas d'arnaque. Voilà, hein. Voilà, tu vois qu'elle prend les 50 pièces d'or et puis elle te regarde et dit c'est pour vraiment parce que vous avez sauvé tous ces gens hein, que je vous ai fait ce prix. Mais bon, comme vous avez dit, hein, c'est une aide collatérale. Ah ouais, non, mais je suis totalement honnête avec, avec elle. Je fais. Oui, mais tu vois. Ils étaient utiles, j'avais besoin. Hop, et elle te. Elle te laisse tranquille. Et je lui tends la patte, si elle veut la serrer, sinon. Ah oui, oui, bah. C'est, voilà, je te jure, c'est pas de l'amitié, c'est juste. Tu m'aides, je t'aide, tout se passe bien. Ça, la prochaine c'est une relation cordiale. C'est juste... Là, voilà, elle te regarde, elle te fait bon, bah, bonne chance. À vous aussi. Ben, je retraverse le groupe et. Je balance la carte à Arnaud. Donc, bah, il a la carte, donc il peut. S'en sortir pour aller jusqu'à l'usine. Bah du coup, je passe devant et je dis... Ça marche. Maman, elle attend. Pendant que Christine est partie discuter tout, moi, j'utilise mes premiers soins avec ma trousse de secours, histoire de me soigner un petit peu. D'accord. Donc tu peux faire un jet. Alors quand tu utilises une charge, tu peux te blesser si tu fais en tout, si tu fais 10 ou moins. D'accord. Savoir si tu sais t'en sortir ou pas avec tes ustensiles. Quoi. Par contre, si tu dépasses de 5 ou plus, bah tu gagnes plus. T'as de soigner. Ouf. Alors, tu t'es pas blessé, mais t'as foiré. T'as utilisé une de tes charges. D'accord. Alors, Arnaud vous guide avec une carte. Hein. Je pense qu'il arrive, à moins qu'il soit vraiment mauvais, en survie. Survie, il est mauvais. Bon, au pire. Sinon, je passe la carte. Je vais essayer de te la déchiffrer. Tiens, prends. Donc, tu regardes la carte, Miato. Donc, tu essayes de guider le groupe. Vas-y, Miato, hein, tu peux faire un jet de survie. Oh bah facile hein. Tu arrives donc du côté de l'usine. Vous entrez dans cette machinerie incroyable faite sur plusieurs étages. Et on va bientôt s'arrêter, mais avant de s'arrêter, vous allez me dire si vous continuez, vous passez par les fondations de l'usine pour continuer dans ces conduits et aller plus loin dans le réseau. Dans le réseau hydraulique et aller donc dans le cœur de pierre, ou est-ce que vous décidez de remonter par l'usine pour arriver au E, du côté du E, du truc là où il y a les bêtes? Est-ce qu'en regardant la carte, on peut voir à peu près
si on continue ou est-ce qu'on pourra ressortir? Par rapport au conduit? Oui, par rapport au conduit. Par rapport au conduit, tu penses que tu peux arriver jusqu'à... je vais déplacer le cercle. Tu vois qu'après, il y a quoi au niveau du... Tu vois que c'est après, ça se disperse un petit peu, donc ça devient des plus petits conduits et un réseau beaucoup moins où vous pouvez plus y aller. C'est plus difficile, il faudrait se mettre à quatre pattes et des trucs comme ça. Tu vois, juste là, là où je mets le cercle. Un petit peu plus haut, quoi. Voilà. Ça nous esquiverait le E, quoi. Ça vous esquivait le E et le E, c'était ressortir. Quoi, tu disais? Des bêtes? Le E, c'est l'enclos des bêtes. Ouais. On continue dans les tuyaux, hein. Je te préviens tout de suite. Moi, j'ai juste mes camarades, à peu près, où est-ce que les endroits où on peut ressortir Non, mais c'est simple. Quand tu me dis ça, je vais encore continuer pour les... Voilà, c'est quoi ce bruit-là de micro, c'est qui, là? C'est pas moi. Pour une fois. C'était du côté de Just que c'était activé tout le temps. Ouais, parce que je parlais. Mais donc, je disais... Ouais, à partir du moment où tu me dis, tu dis plutôt à tout le monde que ça nous permet de continuer plus loin, les tuyaux nous permettent de continuer plus loin, c'est, je passe devant, je fais, on avance par là, si t'es pas content, c'est pareil. Pas de soucis, moi j'indique juste les sorties possibles. Arnaud? Du coup, moi, je suis l'avis de Miato, et puis il me dit d'aller dans... Je fais confiance pour la carte. D'accord. Comme lui, c'est la lire, et que moi, j'ai du mal, du coup, je... Ça marche. Alors après, j'imagine que vous avez enlevé vos tenues de combinaison, quoi. Parce que c'est... Ah oui, bah, évidemment, Ça va, bientôt. J'imagine encore bientôt avec son gros truc. Bon, remarque, une légère en bon état, ça peut être utile. Hein. Vous m'avez donné un scaphandre. Non, mais elles sont toutes abîmées, cherche pas. C'est pas avec un F, d'accord. C'est avec un PH, non? Elles sont toutes mortes? C'est scaphandre, non? Oui, c'est avec PH, pourquoi j'ai écrit avec un F? Parce que ça fait... Parce que tu gagnes un caractère pour ton SMS. Ouais, c'est ça. J'utilise pas mon cerveau quand j'écris, c'est un truc de malade. Écoutez, vous arrivez dans ces structures et vous passez dans le bas de l'usine et on s'arrête là. Voilà, on s'arrête là, c'est la fin. Je remercie ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout de la partie. On a perdu notre pauvre lézard. Exactement, on va mettre une petite musique de... Moi, je vais même pas à l'enterrement, c'est mort. Bah, en même temps, il y en a pas. Il y a pas d'enterrement. Ah, mais il y a pas d'enterrement, je suis bien un petit morceau, il y a rien à enterrer. Ce serait à titre honorifique, c'est quand même un truc. Et après, tu t'étonnes que vos photos m'arrivent pas. Je pense que les enterrements honorifiques se passent juste à la taverne, tu lèves ton coude et c'est fini. À l'agent. C'est et ça, donc... non, mais je pense que c'est partout pour tout le monde, je pense. Hein. Voilà que vous êtes arrivé pas loin de la moitié. Vous êtes presque à la sortie. Seulement un mort. Vous êtes en pleine santé. Seulement un mort. Seulement un mort, en pleine santé. Ils ont eu des morts dans votre équipe ou pas? Je crois pas, non. Non, pas encore. Si, il y en a eu un. Si, il y en a eu un. Si, il y en a eu un. Oui, c'est parce qu'il a quitté la partie, en fait. Ah ouais. C'est pas un vrai mort. C'est pas un vrai mort. N'empêche que c'est un lézard qu'il va falloir remplacer. Bah, dis-toi que j'ai une idée en fait pour remplacer. Après, j'ai un concept. Alors, et ça, faut que le accepte en fait. Cette partie en fait est spéciale. Ils ne peuvent pas prendre un nouveau perso. Ah, ok. Il n'y a pas de remplacement jusqu'à la fin. Etc. Il peut prendre un PNJ comme Pat, s'il le désire. Il peut venir sur les parties. Voilà, pour écouter tout le Bataclan. Mais c'est un scénario spécial où tout le monde peut mourir. Et en fait, c'est le truc, c'est que on va voir qui est le survivant à cette partie. Ah, c'est un Hunger Games en fait. C'est un Hunger Games, oui. Un Hunger Games coopératif. Voilà, c'est un Hunger Games coopératif. C'est-à-dire que pour le moment,
Votre but, c'est réussir à sortir de la ville. Voilà, en fait, leur réel sérieux scénario, quoi. Donc là, bah maintenant, bah voilà, vous avez fait une bonne partie. Vous avez perdu un mec. Ouais. On s'en approche. Et on a failli en faire beaucoup plus. Ah oui, là, à un moment donné, j'ai cru que... qu'il allait y avoir... Ah ouais, moi aussi, j'ai cru. Hein. J'ai cru que... Le problème, c'est que si vous trois mourrez... Bah, si vous trois mourrez... On a une toute solution de repli. Bah, après, si vous trois vous mourrez et que Coralie faisait baisser le niveau... Enfin, je continuais. Ah bah oui, tout à fait. Après, le problème, c'est qu'elle était dans les maps. Après, donc, si vous mourrez, il aurait fallu réfléchir. Hein. Alors, le problème, c'est que Coralie était dans les maps. Pourquoi, à ton avis, je suis pas allé jusqu'au bout? Ouais, bon, il a failli mourir aussi, hein. Des mauvais jets de dés, t'étais mort aussi. Hein. Mais bon, bref. De toute ah, mais les jets de dés aujourd'hui, c'était. Donc, Sneaker a le droit de voir ce que font les autres. Il y a okay. Plus de limite à ça. Et donc, son petit personnage Kirtz, je le ferai en fantôme. Il n'y a pas de problème, je le mettrai en fantôme. Ah non, mais c'était une blague. Donc ceux qui mourront seront des persos fantômes en fait. Non, pas forcément. Mais là, j'avoue que les petits morceaux, on n'est pas prêt de les retrouver. Quoi. bref, voilà. Donc, tout ça pour dire merci à tous ceux qui ont tenu le coup. Dalvin qui est encore là, merci. Je fais un petit coucou à Stomp the Size qui est venu nous voir, je te remercie. Je sais pas s'il est encore là, mais quoi qu'il en soit, c'était très sympa de ta part. J'ai vu Bonan Choco qui était revenu nous voir, Magister Fantôme qui est resté un petit peu. Je sais pas s'il est encore là, je vous remercie. Et à tous ceux qui étaient en mode fantôme et qui n'ont pas répondu forcément, mais je comprends très bien. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui parle beaucoup aussi sur les chats, donc je vous remercie d'être venu nous voir. Et puis je vous dis à très bientôt, à dimanche prochain, pour la suite de leurs aventures, sachant que l'équipe du soir est... passera jeudi.